lundi 10 juin 2013 a eu lieu à New York une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise new-yorkaise TriVision, conduite par son président Andy Shinoy, et l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire, représentée par son président, le Dr Eleti Akap, spécialement venu d'Abidjan pour l'occasion. La cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux du Service de promotion économique de la Côte d'Ivoire, ou CPC, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a été présidée par M. Enza Camara, délégué général de la dite structure. Était aussi présent à cette séance M. Lansiné Koulibaly, M. Mamadou Camara et Mme Anta Koïta de l'équipe de la CPC, M. Bakayoko de la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies et M. Ismaël Cissé, directeur de l'agence de communication SaharaCom. M. Enza Camara, l'hôte du jour, a souhaité la bienvenue à tous et a par la même occasion donné le ton de la rencontre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir cet après-midi d'avoir dans nos bureaux M. Eleti Akap, qui est une personnalité très connue en Côte d'Ivoire. Il est le président de l'association des grandes écoles et universités privées de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il est ici cet après-midi pour signer un contrat de collaboration avec le groupe TriVision Inc. de New York, dirigé par mon cher ami Andy Shinoy, accompagné de son équipe, bien sûr. Donc, l'équipe, toute l'équipe du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique est très heureuse et très fière que cet événement se tienne dans leurs locaux. Donc, c'est un grand honneur pour nous et c'est une fierté et même une grande joie pour nous d'abriter cet événement. Donc, avec votre permission, je vais quand même donner la parole au docteur Eleti Akap qui est venu d'Abidjan, auquel nous souhaitons la traditionnelle Akwama. Merci bien, monsieur le directeur du bureau économique. Je voudrais aussi saluer monsieur Andy, le président de TriVision, et toute son équipe. Que j'ai eu l'occasion, et moi et le bureau de l'Union patronne d'enseignement supérieur, de recevoir à Abidjan, à notre siège, en compagnie bien sûr du directeur de la délégation. Je suis d'autant plus heureux que je reviens trouver le bureau économique avec à sa tête le dynamique directeur qui est un frère, hein, puisque nous avons fait ensemble il y a très longtemps que nous sommes ensemble, on a fait le lycée ensemble, et je connais son dynamisme, et cela ne m'étonne pas de sa part, parce que nous voyons, et tous ceux qui certainement sont passés avant moi, ont eu l'occasion de voir l'élan qu'a pris ce bureau économique dont nous avons besoin dans notre pays. En tout cas, au nom de l'Union patronale, je tiens vraiment à le féliciter, lui et son équipe, et j'ose espérer qu'à travers ces bureaux, d'autres opportunités vont être offertes, hein, non seulement à mes collègues, aux membres de l'Union patronale, mais à l'ensemble des opérateurs économiques de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Voilà, je voulais aussi ajouter que je suis heureux de me retrouver avec le président Andy et son équipe, et j'espère que nous allons pouvoir collaborer et travailler longtemps à l'amélioration des performances de nos grandes écoles et universités privées en Côte d'Ivoire. Voilà, je vous remercie. Merci, docteur. Je vais maintenant passer la parole au président Andy Shinoy, directeur général et président du groupe TriVision Inc. de New York. Andy, je vous passe le micro. It's a great pleasure and honor. First of all, I would like to welcome Dr. Akap to United States,
And I would like to say that TriVision is a growing company in the United States. And as we already told in Abidjan, that we partner with big companies like IBM, Oracle, Dell, and also New York State. And it's a great opportunity for us to partner with your university. And it's not only business perspective, it's an honor for us to be part of education program in Cote d'Ivoire. TriVision is looking for a long-term partnership in your education program, and we are honored that we are part of this program. I know you are here for like 6 days, so it's my request, and also it's our pleasure to meet with you again with my technical team so that we can discuss in more in details about the program, what you are looking to have in your country. Having said this, I would like to thank all my team members who has team members of TriVision who has worked very hard to make this day, today's day, successful. And also I would like to thank my elder brother, Mr. Inza, who made this possible. And he's always support you and always encouraging. And also I would like to thank Mr. Mamadou, a good friend and also a good advisor in this business, and Sony, a good friend. And what's your name, sir? Okay. He's CFO of the embassy. Yeah, okay. And also thank Anta, who is always cooperative and nice on the phone, always gets back to us and sets a meeting with Inza the time requested. And all my team members who are present here, Anna, Elena, Ambrish, and Kautar. Bonjour. Hello. Well, first of all, let me say it's an absolute pleasure and honor to be here. And particularly, of course, thanks to Mr. Aka and to Mr. Inza Kamara for continuous patronage and support and cooperation. Indeed, today, as Andy likes to say, today is a historic day and long anticipated day. But we hope it will serve just as a jump start for future cooperation. All right, so, and again, I do really hope that today will serve as a great jump start for our future cooperation. We do believe that we have a lot of potential, and we're really looking forward to exploring those. Thank you very much. And this is just the beginning. Donc, j'ai signé et si je mets sous réserve des modifications qui pourraient être apportées très prochainement. Vous faites une copie de chaque. On va applaudir quand même. Après les moments forts de cette signature, les différents responsables des parties signataires ont donné leurs impressions sur la cérémonie. Dr Aka est le président de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire. Je suis fier de ce protocole d'accord que nous voulons d'avoir avec le groupe TriVision. Ce protocole d'accord traduit un peu la vision que nous avons de l'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire.
Nous avons toujours dit que nous voulons un enseignement supérieur privé de qualité et qui est aussi adapté à son environnement actuel. Parce que nous sommes dans un environnement concurrentiel. Et l'enseignement supérieur privé doit montrer, non seulement aux yeux de la population ivoirienne, de tous les parents qui veulent envoyer leur enfant à l'extérieur, dans d'autres pays, en Occident, que sur place, ils peuvent trouver des grandes écoles, des universités privées de qualité. Et donc, cet accord que nous venons d'avoir avec Trivision traduit un peu cette vision-là. Non seulement introduit la technologie dans nos formations, pour que les étudiants qui vont dans les grandes écoles privées reçoivent des formations adaptées, performantes. C'est un peu le sens de cette signature que nous venons d'avoir. Okay. Monsieur Andy Chinoy, de Trivision. Trivision has developed a great reputation with partnering with big companies like IBM, Oracle, Deloitte. And lately we partnered with a big company, Computer Science Corporation, and we have a project of $140 million. And this project is for like 5 years with the State Department of Health. And we also partner with New York State and City. And now lately we have partnered with the first partnership with the African continent with the higher education in the private sector of Cote d'Ivoire. And we would like to carry this partnership in a long-term basis. And we are trying to give our tablets where it is manufactured with all the educational program in that, so that this will help the students of the Cote d'Ivoire to get much educated, advanced, so that they can compete with the West. Mm-hmm. Monsieur Enzan Camara, président de Science, a clôturé la cérémonie en ces termes. C'est des sentiments de joie et de fierté qui m'animent. Mm-hmm. Je voudrais, par même occasion, saluer la vision et le leadership de Dr. Ritaka, qui, depuis de longues années en Côte d'Ivoire, est une figure de proue dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Donc, cette expérience qu'il a acquis depuis de nombreuses années, c'est à l'éducation de nos frères, de nos enfants et de nos sœurs en Côte d'Ivoire. En tout cas, je salue sa vision parce que rares sont, je peux dire que c'est un opérateur économique, un opérateur économique de son calibre, qui anticipe sur le futur. Et notre bureau, le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique, est très fier cet après-midi d'avoir accueilli la cérémonie de signature de partenariat entre l'Union patronale de l'enseignement privé supérieur en Côte d'Ivoire, dont il est le président, et Trivision, un groupe dans la nouvelle technologie aux États-Unis, précisément à New York. Je vous garantis qu'on verra d'autres actions similaires et même salutaires pour l'éducation de nos enfants en Côte d'Ivoire. Je pense qu'au niveau de l'enseignement public aussi, au niveau de l'université, ça va faire tâche d'huile et il va avoir un suivi. Et dans les autres domaines, on vient juste de rentrer de notre cinquième mission exploratoire économique en Côte d'Ivoire. Au dire de certains puristes, ça a été la mission la plus concrète que depuis que la Côte d'Ivoire existe. Donc, nous avons réussi à mettre en place et ensemble des investisseurs et financiers, des entrepreneurs. Ils ont été tous émerveillés par leur séjour en Côte d'Ivoire. Ils ont eu des réponses tranchées à toutes leurs questions. Et ils se sont engagés à revenir en Côte d'Ivoire. À d'autres même, avant de quitter en Côte d'Ivoire, se sont immatriculés au CPC. Et la première délégation qui sera de retour va à la mi-juillet et le 15 août est la deuxième délégation parce qu'ils ont décidé d'installer leur usine en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vous dire qu'on est à la tâche et on vous remercie pour votre soutien, même si il est discret, c'est un soutien quand même. Merci. Et on peut assurer à tous nos frères de la diaspora et sœurs, bien sûr, que nous sommes à la tâche et on fera ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire.